Hey, c'est Oudou, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour des nouvelles games pédagogiques. J'ai changé de compte. Cette fois-ci, ça sera du champion. C'était déjà du champion, mais champion 1, qu'on soit d'accord. C'était le compte où je faisais Nobo Challenge. J'ai décidé de finir en arrivant champion. Si vous voulez voir les vidéos, ils sont disponibles sur ma chaîne. Et donc maintenant, on va se faire des games pédagogiques en champion. Bon, le principe va un petit peu changer ici. Ça va être surtout de voir les erreurs. Est-ce qu'on peut corriger, comment, etc. Comme d'habitude, il y aura des conseils et des astuces. Mais l'idée, c'est pas de gagner toutes les games. Je vais faire des bonnes actions. Et bah potentiellement je vais en gagner plus qu'en perdre, c'est logique. Mais le but c'est pas de toutes les gagner, je suis pas là pour smurf les games. Donc, ok, bon il n'y a pas eu de call, c'est vrai que j'avais oublié ce détail. C'est vrai qu'à partir du GC il y a une règle. Et je pensais que même en champion ça se faisait. Celui qui est à gauche il prend le kick-off. Bon, on va se concentrer dans la game. Donc là on va quand même rester loin du frérot. On fait attention à ce qu'il fait. On va pas faire confiance trop aux gens. Hop, ici la balle va sur le backboard, on va essayer d'aller sur le backboard. On va attendre voir ce qu'ils font. Et s'ils font rien d'intéressant, s'ils jettent pas la balle, bah on va attendre tout simplement. On va pas se casser la tête. Je vais par principe pas utiliser trop mon boost pour pas aller trop vite sans faire exprès. Prenez l'habitude de regarder un petit peu avec le joystick, hein, comme j'ai pu faire. On désactive la cam, etc. pour se repositionner. Et en fait, ce qui est important aussi sur le jeu, c'est de prendre un maximum les informations. Et je pense que jusqu'en GC, en fait, les gens prennent très mal des informations. Ok, j'ai réussi à défendre ça. On a bien vu que là, ils voulaient mon dash. J'ai esquivé et j'ai pu du coup défendre. Bon, ici, je suis pas premier là-dessus, mais j'y vais quand même pour mettre la pression. Pour moi, ça le force à sauter. On va jouer avec notre allié, deuxième poteau. On va pas se casser la tête, hein. On va pas faire des trucs trop compliqués, on va pas trop aller vite. On va faire des choses à notre portée. Là, j'ai juste touché sur un double saut, utiliser un petit peu de boost. Après, évidemment, si vous voulez qu'arrive au game, il faudra aller un peu plus vite, mais si vous êtes pas à votre aise, ça va vite être de votre faute si ça se passe mal. Et en tout cas, il faut tenter des trucs si vous voulez progresser. Oh, ça, je m'y attendais pas du tout. Il a voté FF instantanément, on le voit pas, mais... La beauté est faite instantanément. C'est quand même une dinguerie ça. Bon c'est dommage, il a pas réussi à avoir son compte. Bon comme tout à l'heure, pas de speed flip, hein, je vois que les gens le font pas, je vais pas le faire forcément. Ok, on récupère le boost. J'aurais pu le démo. Bon là on voit très bien que la balle elle est un peu free. S'il se rate, j'ai un free goal. Du coup on se rapproche, il se rate, j'ai un free goal. Ce qui est important dans cette situation, on fait pas tout le temps, mais en GC on va le faire très souvent. Et quand on voit qu'il a une free ball, le mec, on va pas attendre. On va pas attendre qu'il touche la balle parce que lui il va pouvoir se setup et faire ce qu'il veut. Ce qu'on va faire du coup, c'est lui mettre la pression tout simplement. Ok, bon là, il s'est raté, je vais y aller. Hop, même si je me jette pas, même si je touche pas la balle, j'ai mis la pression. Et du coup, ils ont rendu en soi un peu la balle. Et du coup, elle est plus du tout dangereuse. Bon là, je vois pas s'il y a le mec en face. J'ai regardé avec... mon œil, tout simplement, un peu sur la droite de l'écran. On a tendance à peut-être trop regarder au milieu. Mais en fait, ici, à ce moment-là, je regardais à droite pour savoir si le mec allait rush la balle. Ce qui est assez important de savoir, c'est qui est premier. C'est des questions qu'on se pose tout le temps quand on joue à Rocket. C'est qui est premier, est-ce que j'ai l'avantage, est-ce que je peux mettre un but, où est mon allié. Des questions à la con comme ça. Genre là, je suis pas premier, mais s'il se rate, bon bah... Je mets le but, j'ai pas... Je vais pas faire semblant, le mec se rate, moi je mets le but. C'est assez dur à envisager, mais s'il l'a touché, il partait un peu plus vers la gauche. Donc on voyait que j'étais dirigé vers la gauche. Bon, je pensais pas que les games allaient se passer comme ça. Pour le coup, j'ai pas fait grand chose, je vous avoue, j'ai vraiment pas fait grand chose. Bon, le mec avait du ping en face, je suis en train de voir, donc c'est un petit peu normal. Bon, va falloir que du coup, je rate un petit peu plus si on veut que ça soit un peu plus équilibré. J'ai vu que ça FF un petit peu trop rapidement. Mais pourtant, je suis vraiment sûr de pas faire grand-chose. C'est tout à fait normal, c'est qu'en champion, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Il suffit de prendre les bonnes informations et de prendre les bonnes décisions. Mécaniquement, je fais pas des dingueries. Rota. Tranquillement. J'ai encore du boost, donc on va se rapprocher un peu en ramassant des pads. On reste bien derrière, on essaye de voir ce qui va se passer. Ici, on voit qu'il se rate, on va juste la mettre sur le côté. On va attendre qu'il nous la rende. Voilà, il a fait un beau move hein, pour le coup. Mais il a quand même rendu la balle. Je vais pas y aller là-dessus. Je pourrais tenter, mais on voit que là t'es pas là. Du coup, on va juste faire un tir tout simple, tout bête. Il va la rendre. Bon, il tire bien aussi.
Ça tire bien. Hop, là on défend. Tranquillement, on met sur le côté, on se casse pas la tête. Il l'a, on regarde si l'autre va sauter dessus. Très important ça. S'il saute dessus, on va juste prendre un 50. S'il saute pas, bah on va essayer de dégager. Mais là, pour le coup, c'est mon allié qui était. Bon, j'ai tenté de prendre un contre en double saut, mais ça a pas passé. Ici, là-dessus, normalement, si vous êtes confiant, vous pouvez turn. Mais le plus important, c'est de garder la balle. Si vous faites un turn quand votre allié a commit, il faut garder la balle. Visez pas le but, visez rien, juste gardez la balle. Laissez-la devant. Comme ça, vous avez juste la possession, la pression. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, vous êtes pas en danger, et tout ça. Voilà, on met la pression, mais on va pas se jeter bêtement. On va juste faire notre rota. Si je peux, je démo le mec ou je le bump. Et voilà. Pas de soucis, jusque-là, tout va bien. C'est vraiment pas très compliqué. Mais faut bien voir. Et ça, c'est... En fait, je dis pas très compliqué parce que moi, je vois facilement. Du coup, je prends les décisions qu'il faut. J'arrive à anticiper ce qui se passe. Donc là, il y a le mec derrière qui attend. Il va faire une passe. Il s'est raté. C'est pas grave. Et au moment où il a fait la passe, je me suis reculé. Vous avez vu ou pas? Je me suis reculé dans le but. J'étais comme ça. Et au moment où il a fait la passe, j'ai reculé ici pour avoir plus d'angle pour gérer. Après, s'il tirait tout à droite, et bah j'avais potentiellement... c'était mon angle mort un peu. Le plus important, c'est d'avoir le moins d'angle mort. Et quand vous reculez, en plus, ça vous laisse le temps de réagir. Et votre angle mort, bah, est plus petit. Là, mon allié a fait la différence, donc j'ai pas eu besoin de jouer. Hop, petit all flip pour récupérer le boost. Là, c'est important d'apprendre des mécaniques de déplacement et non pas des mécaniques de freestyle. Type... les presets, et oui, les presets c'est freestyle, en champion évidemment. Vous voyez des gens faire des flip presets ici? Non, vous voyez des gens faire des aériennes? Moi non plus. Ah, vous voyez un mec rater sa défense? Oui. Bon ici l'erreur c'est pas être au deuxième poteau à ce moment là, j'ai fait un demi-tour sur moi-même, au lieu de rester bien stable au poteau. Ça c'est des trucs qu'on a tendance à faire sans s'en rendre compte, et même moi je l'ai fait l'erreur évidemment. Et on pense que la balle va se dégager, du coup on s'avance, mais elle se dégage pas, du coup on fait un demi-tour et finalement bah on se fait avoir. Ok, donc là le mec m'a rush instantanément et il me met de la pression. Bon, moi au niveau des contrôles je suis plutôt bon, malheureusement je vais pas faire semblant de les rater à chaque fois, je vais juste pas faire des dingueries avec. Ok, c'est un beau tir. Ici on va juste attendre voir s'il la retouche ou pas. On va pas sauter bêtement, on aurait pu utiliser le joystick pour prendre l'information, etc. Mais la clé qu'il faut comprendre sur Rocket League, c'est la patience. Et la patience et le sang-froid, on l'a seulement si on arrive à bien analyser le jeu. Si on comprend pas ce qui se passe, on va faire n'importe quoi. C'est tout. Et c'est normal, ça m'arrive aussi dans des games plus rapides. Quand c'est trop rapide, on comprend pas trop, on essaye des trucs. Mais il faut essayer de garder son calme et d'analyser correctement. La plupart des temps, vous êtes vraiment dans une situation compliquée. Vous vous rendez compte que si vous avez pas bougé, si vous avez attendu... Et bah, vous aurez pu juste l'arrêter en faisant un petit saut ou en faisant un petit backflip. Mais comme vous êtes précipité, comme vous avez fait un peu n'importe quoi, et bah c'est compliqué. Voilà, j'ai essayé de stopper, mais c'est pas très grave, il y a mon allié juste derrière. On va s'approcher, on voit qu'il y a personne dessus, on continue. On continue doucement, un mec s'approche, on tente un double saut, un flic, n'importe quoi. Voilà, il a plutôt bien joué. On va essayer de la save. Bon, on a réussi de la save. En fait, ce que j'ai essayé de faire là, c'est de me mettre derrière le ballon. Comme ça, s'il tire dans la balle, bah, il me tire dessus en fait. Voilà, il s'est commit. Du coup, son allié était littéralement en AV2. En fait, c'est pour ça que je dis ne mettre la pression mais pas commit. C'est littéralement pour ce qui vient de se passer. Enfin, mon allié a pas gagné son AV1. Je vais pas chercher de faire des gros tirs, des trucs à la con. On va faire des simples tirs et juste garder la possession. Je pense que c'est un point sur lequel je vais beaucoup appuyer, c'est avoir la possession de la balle. C'est très très important. Comme ça, moi, en fait, vous êtes sûr qu'il va rien se passer. Bon, là, j'ai un petit peu accéléré. C'est pas très grave, j'ai pas trop commit, la balle est partie sur le côté. Ouais, ça rebondit, on le voit sauter, du coup, on recule. Bon, ça va. S'il m'avait pas bum, j'aurais pu l'arrêter s'il a été cadré, mais c'était plutôt bien joué. Ok, bon, là, il y a 1-1. Ok. Donc, on va partir en overtime. Kick-off classique, on voit qu'il part à droite, donc c'est assez bizarre. Hop, on prend les boosts sur le passage. Là, je vais la défendre, on va attendre.
Comme l'autre avait déjà sauté, il y a de très grandes chances qu'il puisse pas aller sur la deuxième. Il a quand même réussi à toucher, donc on a défendu correctement. Là, est-ce qu'il y va? Il y va, mais il saute pas. Du coup, on est premier. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, dans cette situation, j'ai jamais tout le temps la balle, enfin, mon œil sur la balle, ma concentration dessus. Dès qu'il a pris une trajectoire et que personne n'est dessus, je regarde ce qu'ils font. Genre là, la balle est là, je vois les mecs en face. Je dis, bah, c'est mon allié qui l'a pour l'instant. Le mec, il turn, hop. Là, je l'ai en premier parce qu'il est sur le mur en train d'attendre. Personne me joue, du coup, je vais juste prendre un 50. Ils y vont, je sais que mon allié est derrière, je vais lui laisser. À part s'il veut pas y aller. Bon, elle est pas dedans. Il était très loin. On voit qu'il est très loin. Je vais faire une passe à gauche pour mon allié. Bon, elle était un peu trop vers l'avant. Malheureusement. Là, on sait qu'il est tout seul. L'autre, il est parti chercher du boost. Hop, on va essayer de tirer. C'est raté. C'est pas grave. L'autre est reparti chercher du boost. Et ben, on va retirer. Et voilà. C'est juste, en fait... Après, le tir, faut maîtriser un peu, mais j'ai rien fait de très compliqué. Même si c'est pas complètement cadré, ou au moins la tentative est là. Et c'est la vision de jeu et l'intelligence qu'il faut analyser, voir ce qu'ils font les gens et réagir en conséquence. Pas faire des trucs trop compliqués, free ball, on part en l'air, double tap, plus preset. Non, vous embêtez pas si vous êtes champion à faire des trucs aussi compliqués. Ça n'a aucun intérêt puisque, comme vous l'avez vu, il part au boost, tu tires. Il vient pas de jouer, tu contrôles, tu flics, ou tu tires au backboard et ça va rebondir. C'est vrai que j'ai pas fait le truc backboard, je le disais souvent. Mais là, dans le champion 1, je vais peut-être éviter de le faire, ça va être un peu encore déjà trop compliqué, ça se voit au niveau de la game. Ok. Alors, du coup, on a 2 victoires, ça va monter un peu la difficulté pour plus tard. Mais je vais pas chercher exprès à perdre, hein. ça serait bête. C'est un peu con. Mais je vais essayer de pas gagner tout non plus, enfin je vais pas tout faire pour gagner. Si elle est vouée à l'échec, elle sera vouée à l'échec, malheureusement. Je sais que mon allié a commis genre 5 secondes avant. Du coup, s'il me lâche pas la balle, je vais pas y aller. Il faut comprendre, c'est qu'il faut laisser le temps à son allié de rota. Et dès qu'il est repassé derrière vous, vous pouvez y aller. Mais s'il a pas de boost et tout, c'est assez compliqué. Donc gardez un petit peu de temps, juste attendez qu'il rende la balle. Vous voyez, dans cette situation-là, ou juste mon allié à commit, si je perdais le 50 là, ils avaient un open. On va attendre ici. Notre allié est dans le corner. Du coup, c'est à lui de défendre. Nous, on défend le but. Ici, il rend la balle. Qu'est-ce qu'on fait? On se barre. Comme il nous la rend, on peut la prendre. S'il ne nous la rendait pas, bah, tant pis. Ok, on s'est fait pré-shoot. Mon allié récupère. Comme j'ai du boost, je vais lui laisser le corner de boost. Oh, c'était une belle action. Ok. Bon, j'étais à deux doigts de la mettre contre mon camp, mais tout va bien. Voilà, je suis premier. Malheureusement, il arrivait vite. Hop. On va juste défendre correctement. On prend l'information. Et là, de cet angle-là, c'est assez compliqué et il est très mal parti pour viser le but. Du coup, j'ai pas sauté, je l'ai laissé. Quand vous voyez que les gens vont pour tirer, alors qu'ils ont un angle vraiment très dur, faites attention, mais ne sautez pas. Ça sert à rien. Vous n'êtes pas en GC2, 3 où ils vont mettre tous les angles. La plupart du temps, ils vont rater. Donc juste attendez et récupérez le ballon. C'est un peu bête à dire, mais... c'est la meilleure solution et souvent, ça va bien vous sauver des situations. Vous voyez, ils pouvaient encore tirer, j'aurais pu pré-shoot ou quoi, mais... la plupart du temps, ils vont rater. Mais là, mon allié est parti, on le voit, mais il laisse une balle. Du coup, on reste aligné avec le but, très important. S'ils font un tir direct, s'ils font une pinch ou si tout simplement il veut avancer, les gens avancent souvent en ligne droite vers le but. C'est quelque chose qu'il va falloir changer si vous voulez mettre plus de buts, si vous êtes en AV1 évidemment, pour pouvoir mettre plus facilement des buts, quoi que ce soit. Si vous avancez tout droit vers le but, c'est très très simple pour quelqu'un de l'arrêter puisque bah, c'est une ligne droite. Alors que si vous allez sur le côté, bah, il va devoir sortir du but et potentiellement bah, vous aurez plus de possibilités. Là, c'est à mon tour d'y aller. Je me fais pré-shoot, c'est pas très grave. On va faire la rota. Ici, je vais bien prendre mon temps parce qu'ils ont pas encore le temps de tirer. Mais le problème, c'est que si je défends trop bien, ils vont mettre aucun but. Ok, donc là, j'essaie de mettre un peu de pression. Je vais faire un peu quelques erreurs hein, pour les forcer aussi à avoir des bonnes actions parce que si je défends trop bien, malheureusement, je vais tout gagner. Mais on est ici aussi pour
pour apprendre et donner des conseils. Si je fais des erreurs, on va pouvoir en parler. Bon, ici, c'est un très beau dégagement qu'il a fait. Hop, petit tir du mur. Assez important d'apprendre à jouer du mur, tout simplement, faire des tirs comme ça. C'est assez important. Ça donne des buts qui sont plutôt gratuits. Ici, la balle va rebondir, mais personne nous embête. Du coup, on va prendre notre temps. On va pas se jeter dans le corner. Quand c'est notre corner, c'est notre défense. C'est nos murs, donc il n'y a pas besoin de les jouer. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. On n'est pas en danger, quoi. Hop, ici, on prend juste les 50. Si vous voulez prendre un bon 50, essayez de viser avec les côtés. Le toit, tout ça. Je sais pas si vous avez vu un peu comment j'ai fait tout à l'heure. Mais en fait, ça va toucher plusieurs fois la balle. Ça va rouler sur la balle et vous aurez plus de contact et vous aurez plus de chances de le gagner, votre 50-50. Et ils ont raté. Ici, je l'ai un peu laissé. J'aurais pu réagir plus vite et tout, mais ça reste un beau but qu'ils ont pu mettre. Là, le problème, c'est que bon, je l'ai retouché. Hop, il a voulu pré-shoot, il l'a raté. Bon, ils ont bien joué en soi. Donc, aucun souci là-dessus. Je crois qu'il y a speed flip, mais je suis pas sûr puisque j'ai quand même eu en même temps que lui. Ok, là on a une balle en l'air. On voit qu'il saute. Il a réussi à la toucher, du coup on recule. Quand on n'a pas la notion de qui est plus rapide ou quoi, si vous avez du mal, vous n'êtes pas obligé de sauter sur ces balles-là. Je vous avoue que moi, en GC 2-3, bah, je saute dessus sans hésiter et je tire instantanément. Hop. Mais là, on va pas prendre trop de risques. Cette balle là, au lieu de faire n'importe quoi et de la rendre, hop, j'aime bien, c'est la mettre en l'air. Forcer les gens à aller en l'air. Pourquoi il me spam prend le. Il a pas l'air content, notre allié, que je prenne un peu mon temps. Mais c'est pas très très grave. Au début, je pensais qu'il voulait une passe, mais pas du tout. Celle-là, elle est pas dedans. Celle-là non plus. Bon, je m'attendais à ce qu'il me bump. Du coup, je voulais monter sur le mur pour esquiver, mais. Malheureusement, j'ai pas réussi. Et là on va attendre, il reste une seconde, on va pas prendre de risque. On sait que la balle est de notre côté. Donc on est en danger. On va follow. Évidemment le follow pas trop proche, si possible, hein, vous n'êtes pas des pros. Et même les pros c'est parce qu'ils savent ce qu'ils vont faire après. Et que s'il y a un free shot, ils vont le prendre. Mais ça reste assez compliqué de prévoir toutes les situations, donc restez assez loin. Ok, donc là mon allié a commit, le but ça va être de défendre, donc fake challenge. Bon, il me force à y aller, mais ici fake challenge est vraiment... Ça va dans tous les cas vous assurer la défense. On prend des petits 50. On va attendre, hein. Je pense que ouais, dans son corner ici... Hop, bon il a joué avec son mur, bien joué à lui. On a bien battu là-dessus. Grâce à une petite rota plutôt rapide, on peut récupérer cette balle. Bon, je vais pas trop forcer, je veux juste faire durer la game. Au niveau de la défense, ok. Il a essayé de me bump, j'ai esquivé. Pour avoir une vision un peu large, hein, sur le jeu, pour voir un peu de tout. Mais faut surtout avoir les bons réflexes. Quoi faire, à quel moment. Ici, le plus important, c'est de mettre la balle en l'air. Je crois qu'il y a but. Ouais. Bon, là, c'est sur la défense que je fais. Mon allié peut marquer. Ouais, le fait qu'il y ait 600 points, ici, sans moi, je pense que Kenab. Ils ont super bien joué en face. Je pense qu'ils méritaient un peu la win. C'est un peu triste pour eux. Mais pour moi, ça me permet de faire un petit peu de la qualité. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Donc on va monter progressivement. Comme le compte est neuf, on va gagner pas mal de points. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, à plus pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.